YouTube. On est sur Valheim avec la team du mardi en effectif restreint. Monsieur Man, Princesse et Monsieur Squeak. Coucou YouTube. Bonsoir. On est attablé devant un buffet de qualité supérieure. Il y a visiblement des produits stupéfiants. Il est bizarre ce verre devant nous, Jack. Ouais. Ça m'a, voilà. Ça je tremble, pas je tremble. C'est bon. Comment ça, tu trembles? Vous faites ce que vous voulez, mais moi, perso, je vous laisse là. Hein. Mais. Mais qu'est-ce qui. Mais what? Mais qu'est-ce qu'il fout là, Huyen, plongé dans l'eau? Elle est bien chaude. Attends, on peut se baigner? Ah, oui. Ah, ouais, mais alors du coup, bon, bah, c'est pas grave, j'y vais avec mes habits. Ah, bah, faut être prévoyant. Autant de produits stupéfiants, c'est stupéfiant, évidemment. Comme ça, le bonus max de confort. On est passé à combien, là? 13 ou 16, je crois, dans la... Ah oui, d'accord, mais c'est pour ça que tu l'as mise ici. Je me suis déshabillée. C'est quand même mieux comme ça. Je vais garder la cape. Je ne suis pas un héros si je n'ai pas ma cape. Oh, je dirais surtout que t'es pas capable de l'enlever, mais... Est-ce qu'on peut l'enlever quand on est assis? Ah oui. On a quand même gardé, on a quand même gardé les armes. Hein. C'est vrai. Par contre, c'est bizarre, ça tremble, non? Ouais, moi j'ai mon écran qui tremble quand je suis dans la baignoire. Je pense que l'eau est trop chaude. Ah non, attends, j'ai rajouté du bois. C'est des bulles. J'ai rajouté du bois. C'était Huguin. Ah, il faut mettre du... Attends, t'es sérieux? Il faut mettre du bois? Ah oui. Putain, j'avais pas testé, moi, le bain moussant. Oh, incroyable. Cet homme voit tout, hein, je vous le rappelle. Bon, bah, génial. Oh, on, bah a voilà, une... on peut tenir la soirée. Hein. On a une salle de bain. Jack est cap ou pas cap? Ah bah moi je suis cap à fond. Hein. Je suis tout humide. Princesse, faut que tu remettes ton lit d'ailleurs. D'accord. Re monsieur Spuik. Non, c'est indiqué. Ah oui, on va passer en catégorie hot tub, je pense. Il doit être par ici. Oui. Ah oui, c'est indiqué. Oh, c'est beau. C'est Jack nouveau. N'a rien vu, évidemment. C'est ça écrit dans le vide comme ça. Mais comment t'as fait? J'ai été malin. Quel est ce mystère? J'ai remarqué que ça faisait pareil pour les portails. Ouais. Bah, les portails, on voit un peu plus l'astuce. C'est vrai que là, on voit rien. Ah, je vais aller voir le portail pour voir l'astuce. Comment a-t-il fait pour mettre du texte? Après, il faut que tu aies ton œil aguerri pour remarquer la supercherie. Ouais, bah du coup, je vais pas le voir. Le Yaki. Tu connais pas Guéry? Bah, comme ça. Bah, c'est forcément qu'il y a une pancarte. Ton souci est réglé, Nat? Ah oui, la pancarte est en haut, il t'a mis des espaces. Oh, les petits bâtards. Je vais voir si... Est-ce que tu peux venir ici? Oui, je suis là. Si on veut tame des loups, monsieur Play. Oui. Il faudrait qu'on ait de la viande de cochon en quantité. Ah, alors il va falloir qu'on aille... Il se trouve qu'on est un peu en manque. Ah, alors on va aller voir. Il me semble qu'on a... Je t'ai filé un couteau. Ah, c'est pas la bonne porte. Attends, je me suis raté. Non, toujours pas. Il est où le couteau? Tu l'as posé par terre? Je l'ai donné, normalement, tu dois l'avoir. Oui, tout à fait. Et comment on fait? Tu l'équipes. Tu vises un cochon et tu cliques. Ok. Ils sont où les cochons? Ils sont là. Ils sont là-bas. Là-bas. Réserve un cochon. Vous en laissez quelques-uns, suffisamment pour qu'ils se reproduisent. On en laisse quelques-uns. On referme derrière nous au cas où ça sortirait, parce que ça commence à sortir, là, non? Oh la vache! Mais... Non, mais... Qu'est-ce que t'as foutu, monsieur Man? Mais... mais tu leur as pas donné de nom? Non, j'avoue, non. Mais c'est de la paresse, hein, on est d'accord. Hein. Le mec ne donne pas de nom au cochon. On n'a pas besoin de viande de cochon, tu voulais juste nous montrer ça. Non, mais par contre, ça fait ramer, donc ça serait pour quand même les... Attends, je vais le câliner au couteau. Comment on fait? On clique, simplement? Ah oui, tu l'équipes. D'accord. Tu peux rester appuyé sur le clic. Hein. Ouais, tu peux y aller. Hein. Ah bon, et ils sont tous 2 étoiles, quoi. Putain. Oh, toute la bidoche. Désolé pour ces images, hein, mais c'est nécessaire, vous comprenez, ça fait ramer.
Et on salue Brigitte Bardot, bien évidemment. Ah oui. Bébé, si tu nous écoutes. Ah. Oh, la pauvre, hein, depuis que son cerveau s'est arrêté. Tu nous dis stop, Krampman. En vrai, il y a un truc caché en haut pour les faire spawn, donc vous pouvez limite tous les virer, ça se verra pas. Un truc caché en haut pour les faire spawn. Qu'est-ce que c'est que cette supercherie? Je vais voir tout de suite. Ça sent la ferme à cochon. Ah oui, c'est ça. Il a fait une ferme à cochon. C'est quoi une ferme à cochon? En fait, il y a des cochons là-haut et tu leur donnes à bouffer, ça fait tomber les bébés cochons en bas. Ah mais c'est l'industrie. Ils se produisent que s'il y a un certain jusqu'à un certain nombre de cochons aux alentours d'à peu près 5 mètres. Donc s'ils sont à 6 mètres du sol, ceux au sol ne comptent pas. Donc en fait, quand tu passes ces 4-là en haut, voilà. Tu peux tuer tout ça. Alors l'autre, la raison pour laquelle c'est fait comme ça, c'est que les chauves-souris peuvent spawn, parce qu'on en a tué quelques-unes dans le live d'avant. Et les chauves-souris, elles pop un peu comme elles ont envie et massacrent les cochons si elles tombent dessus. D'accord. Donc maintenant c'est couvert, donc normalement ça devrait limiter, mais s'il y en a qui spawnent à l'intérieur, c'est chiant. Elles vont faire ce que vous êtes en train de faire là. Et question. Mais au moins tu ne rends pas ceux d'en haut parce qu'il n'y a pas la place. Ouais. Le fait de les tuer au couteau, ça nous permet de récupérer plus de. Merde. Non, mais c'est la seule façon, je crois, de tuer des animaux qui sont tame. Je suis rempli de viande, je crois. Ah non, c'est bon. Ça évite aussi d'utiliser la durabilité de tes armes et ça one-shot systématiquement. D'accord. Si vous cherchez bien, vous trouverez peut-être des coffres remplis de saucisses pour des raisons inconnues. Mystérieuses. On s'arrête avec après combien de. Ah, mais il y a beaucoup là, faut en laisser 5 ou 6 en vrai. Comment on va sortir là? Ah, bah on peut sortir par là. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette viande? Faut que j'aille vider. On n'a pas besoin d'autant, si? Bon, il vaut mieux prévoir plus. Hein. Bah, de toute façon, au pire, on peut en refaire. Hein, donc. C'était dans le script, en fait. Simplement. Oui, rassurez-vous, hein, évidemment, comme à chaque fois, tout ça est bien sûr scripté. Vous faites monter votre skill en couteau aussi. Ah, bah oui, ça, c'est sûr. Ouais, ça te fait monter. Faut que ça arrête de ramer de toute façon, donc pour l'instant ça rame encore. Ouais, c'est un peu chaud. Ah non, mais tu nous demandes de tuer les animaux pour arrêter de faire ramer, nous on sacrifie. Hein. La preuve, t'es partout. Sacrifie plus vite. Comme disent les personnes âgées, au diable l'avarice. Non, les personnes âgées, c'est au diable l'avarice, mais. Bah, c'est pas ce que tu dis, Jack? Si, si. Mais moi je dis au diable l'avarice. Ah, mais il reste des cochons, là. Oui. Pensez à vider vos inventaires. Hein. Voilà, Jack, c'est comme ça que c'est... Je crois que mon inventaire s'appelle Nat. Oh. Si j'ai bien compris, Nat, hein, tu ramasses... Oh, il y a des fuyards, hein, je m'en occupe. Dans l'espoir que ça arrête le lag. Mais... c'est pas gagné. Complètement full, moi, ça y est. Mais il reste des cochons. Tu te fous devant l'entrée, toi? Pour emmerder le monde. Ils se mettent devant la porte, je sais pas pour. Ils veulent sortir, j'imagine. Mais c'est pour empêcher, moi, je suis le vigile, moi. Non, et pas les baskets, ça suffit. Jack, tu pourras mettre un petit encart L214 pour masquer éventuellement toute cette violence. On veut rien mettre du tout. C'est un jeu vidéo. Si on commence à lui chier une pendule pour un jeu vidéo, on n'est pas sorti. Hein. Dit Christine Boutin, ça se refuse pas. Bon, ça a l'air de ramer un petit peu moins déjà. On entraîne que l'expression chier une pendule, faut quand même avoir l'anus sacrément souple. Hein. J'ai toujours entendu ça, vous l'avez entendu dans vos régions aussi ou pas? Cette expression-là? Oui, oui. Il y a forcément une raison, pourquoi une pendule? Parce que c'est improbable. Non, mais on dit pas tu vas pas me chier un buffet ou une commode. Remarque, chier une commode, c'est peut-être plus pratique qu'une pendule. C'est vrai que c'est plus commode. Oui. Bon là, ça va, on y voit déjà plus clair. Il faut vraiment tous les tuer, là? Peut-être pour avoir le temps de chier. Encore peut-être la moitié de ce qui reste. La moitié. En vrai, vaut mieux tout enlever parce que ça a l'air de laguer sévère. Ouais, mais ils étaient vraiment nombreux, mais... Bah déjà, quand j'étais tout à l'heure dans la cuisine, pendant qu'on lançait le live, j'entendais vachement de cochons. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, ils sont très nombreux ou... Mais ils étaient très nombreux. Moi, j'avoue que je les entends pas spécialement. Ouais, là, c'est bon, ça devrait aller. Ouais, celui près de la porte, là, il cherche.
De toute façon, normalement, on peut relancer la production assez rapidement. Bon, bah, on va aller ranger toute cette viande. De quoi ? Je t'ai vu fermer la porte au nez. Bah, je ferme la porte derrière moi, je suis respectueux de l'architecture. Avant que ça ne s'enfuit. Non, pour le coup, c'est moi qui l'ai fermé par accident, je crois que Monsieur Main était déjà passé. Donc maintenant, je peux évaluer l'étendue des dégâts. Oh, ça va. Ah, sur une l'expression récente date du milieu du XXe siècle. Il s'agit d'un mix entre deux autres expressions, faire chier, qui signifie embêter, et faire en faire une pendule, pour le côté long et répétitif de balancier. D'accord. Et du coup, la contraction, ça donne chier une pendule. Merci, Sourine, pour ce moment pivot. Qu'est-ce qu'on ferait sans la modération ? Qu'est-ce qu'on ferait sans Sourine ? Ben, je me dis, vous le dis, hein. On resterait des gros ignares. Bon, avec ça, du coup. Envoyez une autre c'est technique pour emmerder le monde. Hein. Vous restez stock dans un coffre comme ça, comme on peut pas ouvrir des coffres en même temps. Ouais, alors par contre, j'avoue, le sanglier, le cuir va peut-être être un peu large. Ouais, il va peut-être crafter des trucs. Il y a des trucs à base de cuir de sanglier qu'on peut crafter ? La merde. Non, on n'a rien. Bah, pas avec les fins, si, on peut faire des bannières, je crois. Bon, bah, attendez-vous, est-ce qu'il y en a partout, hein ? On va tuer Bah, c'est parti pour choper les potions éventuelles si vous pensez que vous allez vous faire toucher. Ouais, bah moi je vais quand même prendre deux ou trois potions de vie supplémentaires vu que j'en ai qu'une. Je sais qu'on n'est pas à l'abri d'une boulette. Il n'y a pas une sombre histoire qui a un désassembleur ou un truc comme ça. Si, ouais, il y a un truc. Il me semble qu'il y a maintenant un item pour détruire les objets, mais des désassembleurs, je suis pas sûr. Bah oui, je sais plus si c'était désassembleur. On l'a peut-être pas encore. Il me semble qu'il faut blinder une machine et attendre que la foudre tape dessus ou une obscure. Oui, c'est ça, ouais. C'est la pierre de tonnerre, je crois, qu'on peut choper chez le vendeur. On va regarder. Mais je sais pas, j'avoue que je sais pas ce que ça donne. On avait essayé dans la partie d'avant, mais ça avait fait un trou dans le toit, du coup on avait arrêté. Ah. Oui, je crois que c'est bien précisé qu'il faut le mettre. Vous me séchez à chaque fois avec les citations. C'est Glagla tout court ? Non, c'est Glagla 4. Ah, c'est précis. Hein. Le retour de la revanche du fils. Attends, je vois Glagla et Glagla 2. Non, Explo 4, pardon. Explo 4, d'accord. Ah, Explo 4. C'est pour si vous suivez. Je vais peut-être avaler un morceau avant de rentrer dans le. Et reprenez votre confort si ce n'est pas fait. Ouais. Prendre le bon. 10 minutes, ça suffit ou. Ouais, je vais aller reprendre le confort. À mon avis, on va y rester un peu plus. Je te conseille d'avoir le bonus 20 minutes quand même, par principe. Je reviens. Les bonus. Il fait que noter tes phrases, c'est ton œuvre. Oui, mais bon, vous sélectionnez. Hein. Il y a des fois, je dis des trucs super intelligents. Hein. Évidemment, la personne ne note. Hein. Mais parce que tout le monde est subjugué. C'était quand j'étais pas là, moi. Bah, si c'est comme ça, je vais mettre mon couteau dans un coffre à bordel. Ça va me détendre. Regarde sur le live pour savoir où tu l'as mis. Ah, je vais mieux. Pendant ce temps-là, sur la rediff. Vous savez, les gens, que je suis obligé de me connecter en off pour aller ranger des trucs dans la vieille base, laisser un ou deux objets, juste pour pour mon bien-être. C'est important. Alors, à savoir que là où je suis, j'ai un confort de 16, et sur toutes les autres chaises, j'ai un confort de 14. Ah bon ? Ouais. T'as 16 là ? Ouais, là j'ai 16. Ah, peut-être, oui, il y a 16. On est proche du. Sur la tête de princesse, on a un confort de 16, hein, sachez-le. Alors, faut vraiment monter à 18, mais on n'a pas les items pour ça. Parce que j'allais dire, c'est pas le max, non, c'est 18. Non. Ah oui. On y va ? Comment ça, t'étais pas là sur Int ? Tu veux dire que tu n'étais pas attentive ? Tu es en train de cuver ton cidre de breton, là, et complètement amorphe. Je prends mon buff et j'arrive. Comment tu viens d'avoir du bazar sur cette table, mine de rien ? Mais non. Ouais. Mais si. C'est spiralé. On va faire de la brochette de loup et tout. Oh, il y a un coffre à bordel là-haut. Ah bah, il y a les œufs. Impeccable. Faut peut-être qu'on prenne des œufs sur nous ? Bah, allez. Un chacun ? Ça fera. Il en faut que 3, non ? Oui, il me semble. Hein. Vas-y, prends-en un, princesse. Ok. Bah non, mais franchement, je vais te buter vraiment. Il n'y a pas de PVP, tu peux pas.
Grand man active ça, le PVP. Ça veut dire que je peux être insupportable. Je sais pas si je peux faire ça, moi. Oh, par contre, attendez, j'ai oublié un truc. Il me reste 3 flèches. Je reviens tout de suite. Mon héros. Oh, bordel. Mais non, c'est rien, c'est normal. Tout à l'heure, quand j'ai dit, tiens, faut que je me refasse des flèches, ça l'a pas fait tiquer que lui, faudrait peut-être qu'il regarde. Oui, mais tu sais, j'étais en train de me projeter dans le futur. Je suis très peu connecté au présent, c'est parce que je suis une sorte de visionnaire, tu vois. Donc j'ai une espèce de connexion avec le futur qui fait que je suis un peu moins dans le présent. Uh-huh. Voilà. C'est mathématique, c'est quantique. Ouais. J'aurais bien envie de dire, c'est stratifié. Quand ça fait réagir. Non, c'est quand ça gratte l'été. Ils sont au bout des branches. Oh. Il me dit pas tout. Bon, ça va peut-être prendre plus de temps le temps que je trouve ce que je cherche. Ah, et le poison. Ah, pierre, oh. C'est là. J'ai senti passer celui-là. L'obsidienne, vous l'avez mis au niveau des pierres, silex et compagnie ? C'est de l'autre côté de l'établi. Je crois que c'est marqué obsidienne. Ah oui. T'es déjà sur place, Crampman ? Oui. J'arrive. C'est en haut ? Non, c'est pas en haut. Oui, non, c'est en haut. Faut monter. Oh. Allez plus haut. Allez plus haut. Il y a une autre fronde à faire. Ah bah, comme ça, je répare en plus. J'y avais pensé, mais je le refais au cas où. Vous avez pensé à réparer ? Ah, t'as eu le bug. Ouais, j'ai eu le bug de la non-réparation. Ça m'arrive tout le temps, hein. C'est fou. Hein. Je l'ai signalé au développeur, par sécurité. Mmh. Est-ce qu'ils t'ont répondu avec une photo de leur postérieur ou de leur séant, peut-être ? Pas du tout. J'ai été soutenu par pas mal de gens, notamment un groupe de joueurs Alzheimer, qui apparemment jouent aussi au jeu. Ils ont le même problème. Mmh. Ah mais non, je suis con, j'avais un stack de sang à côté, j'avais pas vu. C'est bon. En fait, j'en ai. Pourquoi tu fais pas partie de ce groupe de gens ? Cet homme est un professionnel. Voilà, ça y est, j'en ai 200. Normalement, on devrait être bon. Dans professionnel, il y a fait ça. Tout va bien. La maîtrise est parfaite. Et on va manquer de plumes, non ? Ouais, les lits coûtaient un peu cher en plumes. Mais quand j'ai l'occasion, je flèche quelques sources de plumes. D'ailleurs, est-ce qu'un physicien qui chante dans une église est-ce de la physique quantique ? Eh bien, c'est oui. Bonne question. Évidemment. C'est évident que c'est oui. Peut-il toucher un dessous de tanne aussi ? Beaucoup de questions. Et donc j'imagine que le boss est positionné dans un endroit relou ? On n'a pas beaucoup de place, non ? Vous avez 3 œufs ? On a plus de la place autour. Hein. On a les œufs. Okay. Mais est-ce qu'il est gros ? Bah, en vrai, je crois que c'est jamais bien plus grand que ça. Hein. Ok. C'est pas le plus gros. Hein. Ok. Par contre, il va être très pénible à bastonner ici. Putain, la range. Ouais, mais on n'a pas trop d'endroits pour se planquer. Tu vas poser ton œuf. Ah, moi, j'ai reposé mon œuf, c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez les œufs. Oh bah, t'as plus qu'à descendre et remonter. Hein. Attends, elle est où là ? J'y vais. Je suis en train de vérifier le script, mais. Ouais, tout ça, ça demande du talent hein, pour faire. Je pense qu'il fait exprès, c'est pas possible. Honnêtement, hein, c'est une sorte de don. On est d'accord. Arriver à oublier pour pas être fait exprès. Donc, si évidemment que c'est fait exprès. Sur Twitch, voilà les bons moyens de faire durer vos lives, de gagner du temps gratuitement en amusant la galerie. Sachant que je fais déjà, je pense, parmi tous les Twitchers, les lives les plus courts qui existent. Et j'arrive à les rallonger. Ouais, ça, c'est de la technique, ça. Hein. Le talent. En réalité, il y a en moyenne 17 minutes de contenu de Valheim par semaine. C'est vrai. Je pense qu'on peut même parler de talent d'Achille à ce niveau-là. C'est vrai. Bon, j'attends que ma stam remonte. C'est un peu long. Hein. Faut attendre un peu. Moi, t'es coincé en bas de la pente. Voilà, j'arrive. Et voilà. Du premier coup. Et soudain, surgit face au vent. Ben voilà. Le vrai héros de tous les temps. Allez, princesse, à toi l'honneur. Oh, c'est gentil. Appuyez sur le bouton. Oui. C'est... Ah ben, c'était le
L'instant suspense, tu vois. C'est pour le divertissement. Ça tremble. Oh putain, il faut pas être épileptique. Hein. Ah, c'est un Drake géant, d'accord. Alors, quelles sont ses attaques? Oui. D'accord. Tu vois, à un moment, il tape, il faut éviter. Voilà. Ah, et il descend. Ouh, ne pas rester là, ne pas rester là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors, on va prendre une potion. Voilà. Merci beaucoup. À votre avis, il est sensible à quoi? Oula, vous avez plus de vie. Il est sensible à l'épée. Mais ça, j'ai pas. Oh, je vais aller me mettre à couvert. Que de temps que ma vie remonte. Notez pour une fois que la playfield est dans le ton. Comme c'est qu'il est vachement saccadé. Ouais, c'est impossible. Au pire, hein, tu tournes autour. Hein. Mais il me fait rien. Ah si, maintenant il me fait quelque chose. Ah, suffisait que tu le dises. Mais si, je ne peux pas bouger. Vous pensez qu'il a des dégâts quand on le tape à la tête? Ça serait bien qu'il aille pas se mettre... Eh les copains, venez, on se regroupe une seconde. Attention, il y a des drakes à côté. Ah zut. Venez sur moi une seconde. Je suis derrière toi, tu peux envoyer. Ouais, vas-y Jack, je vois pas. Ouais, vas-y. Viens. Ok. Attention. Il est où, boss? Là. Un bon masque aurait plutôt été... Ouais, peut-être pas. Je l'ai pas en plus. Attention, crachat de glace. Je suis mort. En effet. Le talent. Cauchemardesque. Bah, je crois oui, Arthur, est mais il est pas là. Oh, il est bugué, hein, ouais, complètement bugué. Je m'occupe du drac qui est venu se greffer à la partie. Sans invitation. C'est honteux. Mais c'est pas par là. C'est bon, il est écoute, mort. Il a pas l'air de prendre spécialement plus de dégâts au niveau de la tête. Il prend pas plus de dégâts à la tête? Je suis enflammé. J'ai pas l'impression. Oh. C'est imbloquable. Oh merde. Ah, recule. Soigne-toi. Là. Ouf, ça va, j'ai cru qu'il t'avait eu. Et il a peur quand j'arrive. J'ai juste eu le temps de... Ouf, de rouler. Faire un pas de côté. Il fait nuit. Je vais faire cracher sa glace ailleurs. Oui, merde, attends. Je vais être dans la neige. Le temps que je vienne récupérer mon stuff, il faut que je prenne une plopo glagla. Ça serait con. Ça serait con que je meure sur le trajet de l'allée. Ah non, il s'est tourné vers vous, attention. C'est bon. C'est bon pour moi aussi. Et paf. Je vous le fais pas dire. C'était derrière le caillou quand même. Ah non, elle en remet une, pardon. Aïe. Ah oui, effectivement, je suis en... Bien de poser un endroit intelligent. Mais encore ? Ah, esquiver. C'est bon. Ne pas rester devant. J'essaie de vous le tourner dans l'autre sens. Voilà, c'est bon. GG. Non, attention. Oh là, Stam. Ça va, ça passe. Je lui tire dans le cucu. Alors, il faut que je retrouve mon stuff. Ah, il est là. Je suis bloqué dans la tête. Ah, mince. C'est bon. Il y a un Drake dans mon dos. C'est bon. Ok, je vais m'en occuper. Bon, c'est bon. Je suis modèle. Allez, dépêche-toi de mettre ton stuff. Oh là là. Il faut l'esquiver, ça. Si. Hop là. J'arrive pas trop à savoir si je touche ou pas. Ouais, je comprends. Oh, belle esquive. C'est reparti pour un tour.
Bientôt mort, hein. On va le faire cracher. On va récupérer un peu de stam déjà. Par ici, peut-être. Ah, il est parti après quelqu'un d'autre, je crois. Non, c'est bon, il revient. Oula. Sérieusement, je l'ai pris celui-là. Ah, et je suis bloqué dans le décor. Tu te bloques beaucoup, je trouve, quand même. Ouais. Raté. Il se pose. C'est censé être une bonne nouvelle, ça ? Ouais, on peut taper normalement. Oh punaise, je suis coincé dans le mur. Ça... Aïe. J'arrive pas à le toucher. Ah merde. Oh, il y a d'abord. Allez, allez, allez. Aïe. On y est presque. Ouais, toute intelligence maintenant. GG, Modeur est en pleurs. Oh non, ça me fait de la peine. du nouveau craft. Ça me fait de la peine pour lui. J'ai 3 bouboules que ça a looté. D'accord. J'en ai 2 de plus. Et j'ai plus de flèches, donc ça tombe bien que ça soit fini. Ouf. Je veux bien une bouboule. Je vous donne ça en bas. Ah, vous avez eu des bouillons cubes, là ? C'est là-bas, la cabane. Elle est par où, là ? J'y vais, j'arrive. Je crois que c'est par là. Eh ben, quelle purge, les potions, c'était pas du luxe. Ils avaient pas le son du jeu. C'est clair. Non, Jack. T'as pas fait ça. C'est pas grave, il y aura un autre modeur la prochaine fois. Et YouTube alors, hein ? Ils ont le son, eux ? Ils ont la musique est très cool. Moi, pour moi, par exemple, je coupe le son du jeu, hein. Je préfère écouter la musique. Aïe, aïe, aïe. Alors ? Les bouboules. Hop là, dans le corps. On fait même plus gaffe. Merci. À cause de Jack qui râle et de la musique. Comment ça, Jack qui râle ? Je râle pas, moi. Alors, à quoi ça sert ? Bah maintenant, il y a un nom, parce qu'avant, je crois que ça faisait... Non, c'était le boss d'après, où on avait un truc qu'on savait pas ce que c'était. C'était l'item mystère. Mais ça débloque quoi ? Je me souviens plus. Si, un établi qui fait de la lumière. Un très bel établi. Un établi qui fait de la lumière. ouais, je sais pas si on a de quoi le faire, ou s'il faut autre chose. Tu vas regarder. Bah si, on a forcément de quoi le faire, puisque... Bah normalement c'est oui, c'est... C'est la clé pour le biome d'après. Oula. On voit des choses étranges. Ça s'appelle la drogue, ça. Je voyais des gens planer au-dessus du portail. Ah, clairement, c'est la drogue. Je pense. Hein. Oh, j'ai un clic molette central. C'est ma nouvelle souris. T'as une nouvelle souris ? Ouais, j'ai été influencé par un abonné. Wow. Il m'a conseillé un modèle de souris, j'ai même pas vérifié, je suis allé l'acheter. C'est vrai ? Ouais. Ça devait être quelqu'un de confiance alors. Même pas. C'est vrai ? Je sais pas, il a mis « Ouais, cette souris-là, elle est bien », je suis allé voir, j'ai vu « Ouais, elle a une bonne tête, je prends. » Et alors, elle est bien ? Bah ouais, elle est bien. Bah, tous les clics fonctionnent, c'est incroyable. C'est vrai que du coup, t'as pas beaucoup d'exigences. Voilà, donc si jamais un jour je vous dis « Ouais, j'ai envie d'acheter un truc comme ça », vous me conseillez, j'achète les yeux fermés. Vous êtes influenceur d'influenceur. Vous êtes un grade au-dessus, en fait. Alors, attends, je regarde quoi. C'est fou. Est-ce que vous noterez que le bazar des extensions des établis a été rangé aussi. C'est vrai. C'est alors vrai, le fait vrai. Que ça soit une souris à 30 balles, elle achetait vite aussi. Hein. Tu dis ouais, bah, au pire si elle est pourrie, ça va quoi. Mm. Et normalement, on est au niveau max sur les établis de ce qu'on peut faire en tout cas. Et comment va ton cul au fait ? Me demande Sourine. Bah écoute, il y en a un qui a mal et l'autre qui fonctionne très bien parce qu'il est solidement attaché au clavier. Je te laisse faire les déductions que tu le souhaites. Évidemment, ton esprit lubrique. N'est-ce aucun doute sur ce que tu vas imaginer. Et on commence par quoi ? Les loups ou le serpent de mer ? Bah déjà peut-être l'établi. Ouais. D'accord. Bah ça on te regarde. J'sais je pas. Vous ai donné les loot, donc je ne peux pas le faire. Aussi. Tiens, c'est les larmes de modeur qu'il te faut, hein. Ouais. Tiens.
Il t'en faut plusieurs ? Il en faut deux. Ah, d'accord. C'est... Non, c'est pas les hauts fourneaux, c'est quoi ? Non, le reste va se crafter à partir de ce qu'on va pouvoir faire. Oh... Oui, je m'en souviens de cet établi-là, mais c'est quoi déjà son nom ? Bah lui, il permet... Vous donne une missile. Tableau d'artisan. Oh, il est une beauté. Projectile en bois. Hein ? Ah ouais... C'est bizarre. Pourquoi il n'y a que ça ? On a un truc qui tape, non ? Est-ce qu'on peut crafter avec cet établi de si spécial ? Projectile en bois. On peut faire la spinning wheel. En fait, c'est des trucs qu'on craft à côté. Le moulin. Ah, ça c'est très bien. On n'a pas ramassé le lin encore. Ah, et la blast furnace. Il faut aller dans les plaines. Mm-hmm. D'accord. C'est pour exploiter ce qu'il y a dans les plaines, effectivement. Oh, ok. Ouais. Et les plaines, on attend que tous les copains soient là. Il est possible qu'on ait trouvé un peu de lin. Oh, pourquoi vous prenez de l'avance toujours ? Ça traînait dans un coffre. Tu te balades, dans la plaine. Quand tu pars te balader dans la plaine, princesse, si tu peux ramasser un truc avant de te faire tuer, tu le ramasses. C'est la règle. Mais vu le nombre de fois on est tombé dans la plaine alors qu'on voulait pas. Bon, après, on en a pas, mais il faut qu'on plante. Faut tuer les boss, faut le faire planter. Les camps, enfin, faut faire tout le truc. Hein. Puis il faut planter dans la plaine aussi. Hein. Ça va c'est être. C'est vrai, je me souviens de ça, en effet. Ça. Que ce soit déjà fait aussi. Mais... Ah. Oh non, mais c'est pas vrai. Faut qu'on aille voir bon, ça. Bon, bah, Jack, on peut passer au prochain jeu, hein, c'est bon. Bah, non, il reste un biome. Oui. Ouah. Non, mais en vrai, on a rien fait dans la plaine. On a juste ramassé. Enfin, c'est juste que c'est très très long à faire pousser. Si tu veux en avoir des quantités appréciables. Et non, plus d'excuses. En vrai, faut faire des camps avec les gobelins. Faut ramener plein de métal. Faut crafter des trucs avec. On fait quoi ? On va se faire péter la gueule par les gobelins ? Bah non, mais en vrai, apprivoiser des loups, moi je trouve ça cool. Hein. C'est bon, déjà c'est parce qu'on l'a jamais fait. Attendez, il faut qu'on aille mettre la tête de modeur. En plus, c'est moi qui l'ai. C'est vrai. Tu veux pas faire un énorme cliffhanger ? Non. Epad. Non, c'est pas là. Non, c'est spawn. Mais Epad, du coup... Ah oui, c'est le boss, c'est l'Elder. Ok. On peut se le refaire un coup si vous voulez. Hein, juste oh non, il est tellement chiant ce boss. Ah la hache, je t'assure que ça va. Ouais, peut-être qu'on renomme son portail pour mettre un truc très con d'ailleurs. On peut passer par la table de cartographie tous ou il n'y a pas besoin ? Il y en a une à la maison désormais, mais on peut. Ah oui. Je sais pas d'ailleurs si elles sont indépendantes ou. Non, c'est tout comme. Ouais, mais on l'a appelé EHPAD, c'est parce qu'il y a le vieux. Donc voilà. Ah, il est là, pauvre type. Hein. Par contre, c'est le plus beau des trophées, celui-là. Hein. Ouais, mais on en a qu'un, du coup. Ouais. On peut pas les enlever. Très fort, on va faire. C'est quoi son pouvoir ? Ah, il est magnifique. Ah oui, le vent. Oui, il te sert pas. C'était mais le pouvoir que t'avais en intégré avant et que tu as perdu. Moi, c'est filmé. C'est passif. C'est vrai qu'il est pas mal. Du coup, j'ai pris un bon masque. Je crois qu'on n'en avait pas, nous quatre. Ok. Yes. Go les loups. Bah, à Glagla, je pense qu'on aura plus de chances d'en trouver. Ouais, parce donc que c'est plus grand. De quoi faire un enclos et de quoi éventuellement. Alors, il vaut mieux les mettre dans un trou. Hein. C'est ce que j'allais dire. Plus. Ouais. L'idée, c'est plutôt de faire un trou assez profond et de les faire tomber dedans et de ressortir si tu peux. Sinon, bah, tant pis. Ok. Parce qu'il me semble qu'ils ne sortent pas. Je vais quand même prendre de quoi faire des palissades autour. Ouais. C'est surtout pour qu'ils nous voient pas après pendant qu'on les nourrit. Il faut qu'on prenne de la viande de cochon qu'on a... Ouais, bah oui. Cuisine. Bah. Alors si on peut choper des 1 ou 2 étoiles... Ah non, c'est glagla. Bah, c'est le but, non ? Ouais, Glagla est déconnecté. S'ils sont pas étoilés, Glagla est déconnecté. Bah, je suis dedans. Je viens de rentrer. Mais c'est toi qui as fait quelque chose. Mais j'ai rien fait du tout, je suis sorti, mais arrêtez de m'accuser. Mais.
Bah non, Glagla, moi il est connecté de mon côté. Hein, donc, le live de Jack. Arrêtez la il moquette. Est bien connecté, mais c'est quoi cette histoire? On peut passer par bois ou pire. Vous noterez hein, que l'accusation est systématique. Hein. Mais c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Tu viens de rentrer et tout à coup ça marche plus. Mais j'y suis pour rien. Je rentre, ça marche plus, j'y suis pour rien. J'ai pris mon changé le nom de l'autre côté. Ah non, c'est bon. Ah, j'ai pas regardé de son côté s'il avait rechangé le nom. Je peux pas lui faire grand chose avec ça. Voilà, c'est tiens, ça. Tiens, vas-y, tape-toi le golem tout seul. On arrive. Ah, j'ai pris la baffe. Je vais me reculer. Petite potion. Je crois que j'ai raté la parade. Ouais, d'ailleurs, c'est pas une bonne idée de faire ça à côté. Oh non, ça touchait pas là, objection. Mais... la hiberne. Mets la main dans les fesses. Ah bah bien. Harcèlement. Au moins. Vous me direz, on a déjà un trou à côté du portail. Bah oui, il faut juste y ramener des loups. Non, c'est juste qu'ils peuvent sortir. Faut ramener des loups, c'est con. Oh non. À mon avis, la parade n'est pas passée. Bah, j'ai roulé. Il n'y a pas de frame d'invisibilité sur la roulade. Hein. Oh, je pensais être assez loin. À son bras long. Ce monsieur a le bras long. Ah oui, ce monsieur a le bras long, madame. Ah, c'est la justice. Je peux mettre un début de palissade autour du trou, si vous voulez. Je suis en train d'approfondir un peu le bazar pour être tranquille. Eh ben, là, c'est le moment où, si on a beaucoup d'endus, on va chercher des loups, en fait, c'est ça. C'est bon. Ouais, avec deux étoiles. Bah déjà, un ou deux normal pour commencer, ça permettra de... Oui, d'avoir une base solide. Le problème, c'est que si on a déjà des 1 ou 2 étoiles, des 1 ou 100 étoiles, après, il faut tous les sortir pour en rejeter dans la fosse. C'est bien ça. C'est le 4-16. Bah, ouais. Bon, ça dépend, parce que je viens de dire. Je pense pas, non, une fois qu'ils... Est-ce qu'ils vont les attaquer s'ils sont domestiqués, non? Je sais pas. Ah, il y a encore un golem là. Mais il est loin. On peut les faire aussi à l'autre endroit où on a miné. Merde, j'étais mute. T'as quelque chose, Jack? Pour l'instant, pas grand chose. Je suis à la deuxième mine qu'on avait faite. Je pense qu'on peut en enfermer un dedans. Oui, probablement. C'est, oui. C'est de les ramener à côté, non? De ce que j'ai compris. Bah, disons que je vais pas pouvoir courir avec un loup au cul pendant longtemps. Ah, j'ai entendu ça dépend, t'es pas obligé de le faire d'une seule traite, tu peux le faire en plusieurs respawns. C'est vrai. Mais disons que je tiens à mes points de compétence. Non, mais le premier après, t'as un bonus qui t'annule les autres. J'ai entendu un loup ululer. Tu te dépêches de remourir, ça devrait aller. Ah, voilà. T'as quoi, toi? T'as rien du tout, t'as pas d'étoile? Non, t'es merdique. Oui, c'est de la merde. Petit loup. Bah, de toute façon, il nous en faudra plusieurs, donc on ramenait déjà un. Ah, je vais ramener un neuf, tiens. Un loup neuf dégagé. Non, un neuf, oui. un neuf usagé. Merci. Est-ce que c'est prêt, les copains? Un peu près. En bonne voie. T'as trouvé un loup? Par où je le rentre? C'est un œuf de loup. Pour l'instant, il reste des entrées. Ah. Ok. Station Nat. Il est où? Ah, il est rentré. Il s'est barré. Oh, il est parti. Non, je crois qu'il faut mettre des portes à plat par-dessus. Il marche dessus et tombe. Sur les joues. C'est bon, il est dedans. Ouais, mais je sais pas s'il va ressortir là, du coup. Il peut ressortir, je pense. Pour l'instant, c'est pas le cas. Regarde, il reste planté là. Il bouge plus. C'est dehors. Plus cuite. Je suis... Tu l'as mis de la viande? Pas peu fier. Alors, attends, comment on fait? Tu la jettes dans le trou. Je la jette dans le trou. Ouais, s'il arrête de nous voir... Ah, désolé, princesse, c'était pour Monsieur Man. Laisse un trou pour qu'on rentre avec les loups. Ouais, mais je referai après, de toute façon, j'ai plus de bois.
D'accord. Est-ce que... Et là, s'il je nous voit plus... 5. Oh oui, non, ça suffit. Après, okay. S'il nous voit plus, il devrait se calmer, manger. Et à partir de là, il va commencer à... À se tamer. Ok. On peut l'expliquer. Hein. Merci, Sourine, de ta retenue. Ah, j'entendais... Ah ben non, c'est... D'accord, ça va être très chiant. Alors sachez que si vous faites un élevage de loups dans votre base, pensez à les mettre assez loin de l'endroit où vous vivez. Parce que c'est très bruyant. Alors j'ai pas encore fait d'enclos du coup, mais je vais l'embrouiller. Ouais, je prévois de le faire loin, parce que c'est hyper pénible. On peut les reproduire ces machins après ? Bah j'en ai, ouais, ouais, mais j'en avais tamé un avec Franck, il l'a tué parce qu'il faisait trop de bruit. Il y a un drake quelque part, mais je ne sais pas où. On a oublié de mettre un toit par contre au-dessus du loup. Deux. Enfin le toiturer. Bon, pour l'instant. Bah Drake. Oui mais tant qu'il est pas tame, une fois qu'il est tame on peut le ramener. Ah oui, non, pas à l'instant T, on est d'accord. Ouais, tamer un Drake, ça serait fantastique. Mmh. Pour qu'il passe derrière la montagne et qu'il croque de la glace dans les cailloux. Merci Jack pour ton aide. Moi j'ai un peu tiré à côté hein. Il y a peut-être des loups vers le bas. Par contre, on risque de galérer à remonter avec. Il y en a un, il y en a un juste en contrebas là. Vous allez vers un golem. Attends, j'arrive pas à voir son level. Le loup. Allô. Il n'y a pas d'étoile. Ça y est, c'est bon. On le ramène. Bon, pour l'instant, le loup n'est pas encore calmé. Par contre, il faudra faire une planche pour. Ouais, mais il arrive à monter ou pas? Ouais, c'est bon, ouais, il arrive bon. À monter. Non, mais on fera un trou pour ouais, le c'est faire bon, monter, il arrive. Non mais là tout de suite à l'instant T ils arrivent avec quoi. Oui bah je suis prêt hein. Oui monsieur, on est au courant. Oh et du calme. Vous arrivez par quel côté? On arrive par le côté par le côté qui. Ouais. Oh mon cul. Ouais, quoi. Hop. Oh. Jack, faut sauter. Oui, mais faut de la stam pour remonter. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Viens là. Oh putain, mais... Oh, j'ai plus de stam. Il est sérieux, ce loup? Il est ressorti? Là, comment c'est on... Ah non, comment c'est on bon. Remonte, non en sautant, alors, il faut de la stam. Avec beaucoup ah, de il stam. Est ressorti. Il est il ressorti. Il veut pas me suivre. Bah non, il est pas con. Salut, c'est quelle version de Valheim? C'est celle par défaut disponible sur Steam. Ouais. Oui. Mais la dernière fois que j'en... Quand on est arrivé ici, en fait, il y en avait. Ouais, il y en avait un. Et qui on... sortait avec le collègue. Je m'en souviens. Et je m'en après, oui, il y en a un qui... voilà, c'est bon, il est rentré. Par contre, il n'y a plus de sortie. Je suis encore dedans, moi. Oh, bordel. Oh, vous allez me alors, faire on va pas mourir. Par là, parce que... Ouais, la chasse au loup, c'est dangereux. Hein. Trahison. Par contre, il faudrait pousser il celui... Il faut qu'on se prévoie une sortie. Vraiment pratique, genre. Il faudrait un escalier... C'est le principe, on va sortir. L'escalier tout simple permet de remonter. Comment on fait, nous? On meurt et puis c'est tout? Bah oui. C'est ça, notre destin? La chasse au loup, c'est ouais. C'est mourir à chaque loup qu'on ramène? Bah déjà, on en a deux, donc on va... Alors, je sais pas si tu te rends compte qu'on a ramené bah, des pas d'étoiles. Oui, si je peux pas remonter. Et que quand ils auront deux étoiles, ils risquent d'abord, de nous tuer en deux coups. D'abord, faut juste qu'ils descendent. D'abord, nous casser nos palissades en bois. Elle est cachée où, princesse? Ah, mais elle est vraiment décédée. Oui. Mais la défense antiaérienne n'est pas très efficace. Elle est morte de décès. Non, je disais, princesse, je sais pas si tu te rends compte qu'on a ramené des loups pas d'étoiles, là, mais quand ils vont avoir deux étoiles, ça va être... Ça va être ta déprime. Là, tu peux pas, pour l'instant, tu peux pas. Princesse, il faudrait... ouais, pour ton stuff. Comment je récupère mon stuff? Il faudrait faire une palissade à l'intérieur, monsieur Mann, pour que Princesse puisse aller chercher son stuff. Mais le problème, c'est qu'il y en a un en haut. Ouais, mais là, il sort pas, là. Côté où c'est écarté qui sortent de la zone. On peut pas prévoir une porte? Non, ils vont sortir en même temps que nous.
Eh mais c'est que t'as 1 million d'affaires sur toi aussi. Ouais. C'est gigi. Bon. Mes affaires quoi. Et la viande pour les loups. Bon, je vais ramener une partie des trucs. Est-ce que t'as ramené ma cape? Je sais pas, j'ai fait prendre tout. Pas que j'ai le cap. Il a pas l'air décidé à descendre. On va l'aider, on va l'aider. Potion de soin, je crois peut-être qu'il y en avait déjà. Est-ce qu'il grimpe les échelles à une place? Il me semble que non. Hein. Ah, bonne je question. Suis plus reposé. Tu n'es plus reposé? Moi non plus. Tiens, 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 regarde, il y a de la viande ici. Ça va. On peut remonter par le bout. J'ai mis des coffres à côté de l'enclos. Attends, il faudrait déjà essayer de descendre le loup. Normalement, il grimpe pas. Attends, je vais tenter une opération. Avec à peu près tout ton bazar. Je pense que je vais tenter une manip. Merci. Pour le faire descendre, lui. Monsieur, est-ce qu'il monte déjà? Et je t'ai mis ton arc à côté aussi. Ah, merci. Tu veux pas aller voir ton pote là-bas? Non, il grimpe pas là, on est d'accord. J'ai plus de... Ah, je crois que je t'ai filé tout mon bois avec. J'ai posé le bois, je l'ai pas pris. J'ai pas mes flèches. J'ai pas trop l'armure pour faire ça, j'ai bien envie d'essayer de le pousser. Allez, viens, mon... Je vais avoir les mêmes flèches que toi. Ah non. Il faudrait qu'ils sortent. Je pense que je t'ai filé mes flèches, du coup. Ouais. Allez, merci. Allez, en monsieur. Fait, il est juste autour de l'enclos, Jack, et ça passe. Hop. Et il me manque... ma torche. Moment de dénil. C'est bon, je l'ai poussé. C'est bon, il est tombé. Mais t'as pris la viande aussi, donc il faut la remettre. Je vais le rejeter. Voilà. Normalement, il ne monte pas. Donc. Tu la palissade, toi. Ouais. Faut bourrer un peu et... Ouais, faut de la stam à fond, là. Une feature. Ok, c'est bon. Et c'est bon, on peut enlever... on peut faire un trou. Disons que si tu sautes au bon endroit, ça passe. Oh, ils sont bloqués comme des débiles. Magnifique. Le problème, c'est que du coup, nous aussi. Alors, le problème, c'est que plus on va en ramener, plus ça va être compliqué. Idéalement, il faudrait qu'on arrive à trouver un truc avec plus d'étoiles, quoi. Bah, maintenant que eux ils sont là, de toute façon, on sait qu'on va finir par les avoir. Donc oui. En vrai, on peut partir un peu en goguette, essayer de trouver... Une étoile, et... minimum. Du coup, maintenant, si on tombe sur des loups qui n'ont pas d'étoiles, on les tue. Ouais. Ouais. Okay. Je pense que c'est pas utile. J'ai plus de flèches, donc je vais retourner chercher parce que... Après, on peut aussi attendre la tombée de la nuit, parce que pour le moment, il y a personne. Ah, mais faut qu'ils nous oublient, en fait. Bah, c'est pour ça. Si on s'écarte pour aller reprendre le buff de Stam. C'est vrai. Je vais faire ça, tiens. Oui, c'est vrai que c'est pas con ça. En plus de nuit, je pense qu'on a plus de loups. Il y a d'autres bestioles aussi. Oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est des loups. D'ailleurs, si on avait été manin, vous auriez pris bonne masse. Comme pouvoir, histoire de pas... Qu'est-ce qu'il fait? Ah putain, il y a un Drake qui est en train de péter notre palissade. Ah. Bien, pète le Drake. C'est ce que je suis en train de faire. J'attends que ma Stam remonte. On est d'accord qu'il m'a complètement snobé. Je suis un peu scandalisé là. De pas être respecté. Ok. On va aller chercher le bonus de confort. Eh bien YouTube sur ce cliffhanger. Opération parfaitement réussie, tu veux dire? À cette opération qui est, ma foi, risquée, on va essayer de YouTube récupérer un loup une étoile, voire deux étoiles. Le rapatriage de loup deux étoiles, c'est un sport dangereux pour la santé, sachez-le. Si vous tentez de faire ça chez vous, vous êtes prévenu. J'espère que vous ne tenez pas trop à vos points de compétence. À la prochaine, YouTube. Au revoir, YouTube. Au revoir.